na kutalati na kati ya centre d'accueil mambo gena kusalama koko ya mtina mtindu na banzenza bake bakimbangis tv batu ya mayele ya inti ya beto ya Congo Democratique ya ba inti ya mtina mtindu bameka tukara inti ya America bameka tukara inti ya Asia sama inki vena Europa pe na Oceania bampangi bakunde luzolo centre d'accueil na kati ya salle de conférence mama Mwilu Marie Kiawanga yakele na ntango yayi ya kuningana mtu nyoso mekuza baka ya yani dikabu na mtindu ya ba mambu kena kuluta kwako pamba vemos na mosi mekuza pesa ya yandi ndinga ya vandaka professeur mwene batende pe ni kuzaka tuba ya vandaka diaka professeur Emile Bongeli ni yandi kuzaka manisa ntubulu ya ntuka samu mkangu kuza telama na mvunda na minuta yayi betokeni na yao bampangi bakunde luzolo jambo yake na kutubama kwa kuna centre d'accueil beto saba veka na beno bana ya inti ya Congo Democratique makutu kaya kuzibuka na kuzaba ntsasa ya Simoki Mbangu na kati na inza hiki Simoki Mbangu kuzaka sala na kati na inza hiki kisalu Simoki Mbangu salaka sama hiki ve hiki diambu ya ngudi Simoki Mbangu kuzaka kangamina na inti ya beto ya Congo Democratique ni ya umbuta mtu Emil Bongeli mekuza koma ntonso na kutubati beto nyonso na kati ya Congo Democratique ya Mvimba to samo yingi vena inza Mvimba beto bogilaka tata Simoki Mbangu anikele mfumu ya beto mfumu wa beto nana meta adila na kimpeve donc mfumu wa kimpeve mutunda metu bayau ero spirituel donc mfumu ya kimpeve na beto na inza kati ya Congo samo yingi ve na inza Mvimba pamba ve beto ba kongole beto ketangaka mutindu mosi na bampangi ya banzenza dikanda ya ndome dikanda ya mindele kasi ata buton ya pamba ya kutula na chemise beto kele ndaka kusala ya ve me bampangi na bakena kutanga beto ba kelasi kisika mosi bakena kusala ba mambo ba bimangu ina amefuana na bao samo yiki ve beto ya wina nimekuza lomba ti beto balula kizizi na beto beto ba kongole na kusosa to dikanda ya ndombe na kusosa Congo. Et l'enjeu effectivement était de taille, hein, d'autant plus que il aurait été pertinent d'étudier la conjonction du politique et du religieux à cette occasion. Mais j'ai été, j'avoue, confronté à un problème de documentation, alors qu'il y a une trentaine d'années, ici même à Kinshasa, à Lovaniam, nous avons manipulé, n'est-ce pas, des copies de cet organe. Bon. Alors, je vais me limiter de trois points. Je vais commencer par ce que je considère comme inventaire d'images représentatives de Kimbangu et du kimbanguisme. Avant de vous présenter aussi à une perception du phénomène Kimbangu à partir des quelques éléments de littérature ou de paralittérature congolaise. Et pour finir, si le temps nous le permet, je vais vous soumettre des très brèves considérations sur ce que nous pourrions aussi considérer comme une manière de Christ noir ou de Dieu noir en rapport avec certaines positions dans la perspective kimbanguiste. Alors, ces images représentatives ont été tirées la plupart évidemment dans des écrits classiques ou officiels de l'Église kimbanguiste et même dans un ensemble de travaux académiques qui ont été consacrés au phénomène kimbanguiste. J'y ai inclus même ce qui est un monument, le volume des actes de la première conférence internationale kimbanguiste tenue ici en 2006.
J'ai fait économie et évidemment d'un bon travail académique. Alors, je vais me contenter d'images les plus représentatives. Bon, en commençant par ce qu'un auteur observe, hein, que Papa Simon Kimbangu est un être énigmatique. Hein? Et d'ailleurs, Martial Sinda, dans le même sens, enchaîne, cet homme fut-il un élu du Dieu ou, selon les sceptiques, un de ces illuminés dont le psychisme débordant fait des êtres à part entraînant, crédules, dans le sillage, les affamés de liberté, de justice et de merveilleux. Kimbangu était-il anticolonialiste militant, agitateur, révolutionnaire, ou bien avant tout âme fervente possédée du divin, vivant jusqu'aux transes extatiques, les chants de la Bible, les visions des prophètes? Bien, Simon Kimbangu est fondamentalement, comme l'enseigne la sagesse populaire latine, un nomen omen, donc le nom est un destin. Simon Kimbangu est avant tout l'être. Professeur, une minute, professeur, le chef fait son entrée. Vous comprenez l'importance que le chef attache à ses assises. Merci. 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 Oui, je disais donc que Simon Kimbangu est avant tout l'être divin dont le nom est une réalité vivante. Hein, comme doté du pouvoir de révélation, doté du pouvoir de dénouer les mystères. Mais Simon Kimbangu est aussi un esprit double. C'est-à-dire un esprit, c'est Dieu fait homme. Hein? C'est dans son essence divine, les tendances sont partagées. Elles mettent tantôt en relief sa qualité comme Messie, le Christ. Mais aussi sa qualité comme l'Esprit Saint, le Paraclet, consolateur et révélateur. Mais Simon Kimbangu aussi, c'est un ensemble de vertus, y compris un esprit de réalisme et de conciliation qu'on peut trouver même en explorant la littérature africaine. J'ai lu par exemple quelque part on lui avait demandé s'il fallait continuer d'envoyer les enfants à l'école blanche, il a répondu catégoriquement oui. Et immédiatement, cela a évoqué dans mon esprit le personnage de la grande royale de l'aventure ambiguë, qui avait invité son peuple à continuer d'envoyer les enfants à l'école blanche pour leur donner la chance d'apprendre l'art de lier le bois au bois, si ma mémoire est bonne. Ok, mais Simon Kimbangu aussi un peu dans ce qui renforce ses dimensions, c'est un ensemble de parallélismes. Il y a des auteurs
par exemple, qui en font un chèque à Tandio pour Théophile Obenga avant la lettre. Hein, Simbo Kimbangu, hein, c'est la vérité ou l'évidence hein, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le fait aussi que hein, le jardin d'Éden a existé en Afrique. Hein, Simon Kimbangu est encore le héros, le martyr, comme le Sud-Africain qui s'est...